Ok, ready, set, go. Allez, bonjour à tous. Je dis chapitre qui ne peut guetter, ne guetter une coupe de péricode. Oui. Voilà, les péricodes. Et une partie élevée, une arrivée. Je dis chapitre qui ne peut guetter, c'est RIS 6 et parallèle processing, ne peut guetter une coupe. Ok, let's start. So, the chapter that we are looking today is about RIS and SIS. Bon, ne peut guetter une coupe qui veut dire RIS, qui veut dire SIS, architecture. Et ne vous discute pas de papier l'examen concernant RIS avec SIS. Et nous pouvons get aussi pipelining. Et nous pouvons terminer ça, nous pouvons get parallèle architecture. Bon, voilà une des bonnes ressources que vous êtes capable d'avoir information. Il y a une vidéo de YouTube que vous êtes capable de guetter, il y a une notes, et il y a un quiz, voilà, vous êtes capable d'attaquer ça. Bon, qui fait nous étudier ce chapitre-là, qui appelle RIS6, il base le processeur, il base le CPU. Veut dire, nous pouvons get ban CPU, ok? CPU veut dire Central Processing Unit. Bon, il y a deux qualités architecture qui nous pouvons considérer cette fois-là. Il y a la SIS architecture avec la RIS architecture. So we have two types of architecture. Il y a des basic architecture, un processeur, des qualités processeurs qui nous pouvons aider. Un l'appelle RIS, un l'appelle SIS. Bon, qui veut dire RIS, R-I-S-C, Reduce Instruction Set. Qui veut dire SIS, C-I-S-C, veut dire Complex Instruction Set. Bon, ça décale des architectures là, décale des processeurs là, qui nous vous guettez, et nous vous guettez question l'examen, comment ça aussi. Et chaque architecture, enfant, il y a un code qui se servit, c'est différent, ok? Bon, je vais donner une petite photo pour vous gagner l'idée. Je vais dire processeur, il y a décale des processeurs, nous vous guettez, nous vous guettez la SIS architecture et la RIS architecture. Je vais dire, nous pourrons guetter l'appareil, en dans l'appareil là, il y a un appareil pour une RIS architecture et un appareil pour une SIS architecture. So there are two types of microprocessor architecture. One we call the RIS architecture and the other one we call the SIS architecture. What RIS stands for? Reduce Instruction Set et Computing. Et qui veut dire SIS? Complex Instruction Set Computing. Voilà. Il y a un good. Donne-moi l'exemple côté un Reduce Instruction Set Processor. Bon, ben, Reduce Instruction Set Processor Computing, c'est un cas de dire, Reduce Instruction Set Computing, c'est dans l'appareil comme un portable, de tablette, dans un game console, etc. Dans un petit appareil, ok, pas un appareil trop complexe parce qu'il servait Reduce Instruction Set. Dans ça, ben, l'appareil là, si nous démontons en dans le programme de RIS Architecture. Et RIS architecture, comme on dit, les reduce instruction set computing, les simples, les pas complexes. Et dans un laptop et dans un PC qui nous servit de nos jours, nous avons une autre qualité CPU là-dedans. Et ça, CPU là, il appelle les complexes architecture. Ok, SIS architecture. Veut dire les complexes, sur l'instruction, les complexes. Veut dire, nous pouvons guetter RIS, RIS trouve dans un portable, dans un tablette, dans un game console, les diacodes sur instruction, les reduce, les simple. Et SIS architecture servi dans votre PC, dans votre laptop, et code sur instruction, les complexes. Mais il y a des mots qui sont importants pour rappeler. Reduce instruction set, les reduce instruction set computing, les reduce, veut dire les simples. Et complex instruction set, les compliqués, les complexes. Voilà. Un petit peu, ça des architectures qui ne peut guetter là. Maintenant, une table, quoi, de baguette sur similarité, correct? Qui similarité, il y a dans Reduce Instruction Set? Qui différence, il y a en dessous? Bon, Reduce Instruction Set, comment on dit, sur instruction, les simple, mais les longues, correct? Les simple, mais les longues, et les software base, et sur ban instruction, les enfants, les simple, les besoins, c'est un seul clock cycle, et les one line, et capable de servir pipelining là-dedans. Mais tandis que 6 architectures, enfants, il y en a beaucoup d'instructions. Il y a une longue variété d'instructions. Et sur instructions, les longues et les complexes. OK? Les complexes. Et capable d'une instruction, les brisait plusieurs clock cycles pour les capables d'exécuter. Et ce pipelining, il est un peu complexe. OK? Ce pipelining, il n'est pas facile, il est complexe. D'accord? Maintenant, nous continuons. Voilà. Là, nous pouvons montrer une comparaison entre un RIS architecture avec un SIS architecture. Ce comparaison. Okay? Bon. Dans SIS,
de écrire une seule instruction, disons déjà mult, mult veut dire multiply. Une seule instruction de écrire, il est capable de faire multiplication. C'est-à-dire une seule instruction, mais l'instruction là, elle est complexe. Il y a une seule instruction, mais il est capable de faire un gros travail. Mais sa même instruction multiplication là, dans 6, nous écrivons une seule instruction, il fait sa travail multiplication là. Mais dans RIS, pour faire sa même travail la multiplication, nous devons servir beaucoup de commandes. Par exemple, là, 4 la ligne d'instruction. Mais ben, la ligne d'instruction là, elle est simple, oui, mais c'est moi, nous devons écrire beaucoup la ligne. Et dans Complex Instruction, une seule la ligne d'instruction à écrire, mais instruction là, elle est complexe. Et dans RIS, instruction là, elle est simple, mais c'est moi, besoin d'écrire beaucoup la ligne. D'accord? Voilà un petit peu comparaison et RIS avec 6. Mais dans 6, il y en a beaucoup d'instructions, beaucoup de qualité d'instructions, beaucoup de variété d'instructions. Et ben, instruction là, elle est complexe. Et dans RIS, nous avons une tigine variété d'instructions, list of instructions de tigine, et ben, instruction là, elle est simple, mais c'est moins là, nous créons un code, dans 6, nous sommes capables d'écrire une seule instruction, mais dans RIS, ça va un petit instruction là, nous devons écrire beaucoup la ligne, pour lui faire le même travail. Je veux dire, 6, nous écrivons une seule la ligne, il fait le travail là, dans RIS, nous écrivons beaucoup la ligne pour faire ce travail là. Maintenant, nous continuons à get un code, RIS servi dans, ben, portable, comment nous dire, et ben, l'exemple de, processeur RIS 6, normalement, dans un laptop PC, sur un processeur, comment vous pouvez trouver, X86, mais ben, nouveau processeur, il y a un hybride de RIS avec 6. Ok? Maintenant, différence de sa des architecture là, il y a un nuts, nous va voir lire un nuts là ici, je te casse un coup d'œil. Voilà, sinon on vient une photo pour comprendre bien, c'est-à-dire RIS servi dans un portable, tablette, et 6 servi dans un PC, dans un laptop. Correct? Voilà. Mais c'est moi, les nous get RIS avec 6, qui nous étudie? Nous étudie ce instruction set. Ok? Combien d'instructions il y a? Normalement, dans RIS, nous n'a pas une variété d'instructions. Dans 6, nous n'a beaucoup variété d'instructions. Ça, on avait ça, instruction set. Mais déjà, instruction set dans RIS, où il y a un tigim, variété. Et dans 6, où il y a beaucoup de variété d'instructions. Instruction format. Dans RIS, sur instruction format, il est plus simple. Dans 6, sur instruction format, plus complexe. Addressing mode. Dans RIS, il y a moins addressing mode. Dans 6, où il y a plus beaucoup addressing mode. Et registers. Dans RIS, on a beaucoup qualité registers pour faire travail là. Dans 6, on a moins registers pour faire travail là. Et voilà un petit peu architecture des risques. Voilà, on va pouvoir lire la ligne pour la ligne. Et 6, comment on dit, est complexe. Correct. Voilà, sur instruction, sur architecture. Maintenant, ça m'a déjà causé. Et nous get code dans 6. Nous écrit un seul la ligne code. Il fait travail multiplication. Mais par contre, dans RIS, on va pas utiliser avec un M là, tu dois écrire R, vous voyez un R là, RISC, R-I-S-C. Ok, vous avez corrigé, R-I-S-C. Nous devons insérer la ligne code pour faire le même travail. D'accord? Mais dire, vous verrez, dire, dans 6, insérer la ligne code pour faire le travail là, multiplication. Dans RISC, tu dois écrire R là, RISC, insérer la ligne code pour faire le même travail. Maintenant, là, nous allons regarder en détail RISC. Avec 6. Ok. RIS avec 6. Comment on peut guetter? Voilà. On peut guetter RIS avec 6, enfants. RIS veut dire Reduce Instruction Set. Et 6 veut dire Complex Instruction Set. Ok. RIS, comment on dit, stands for Reduce Instruction Set. Et 6 veut dire Complex Instruction Set. On va guetter un coup de Reduce Instruction Set sous une instruction simple. Ok, et aller à quoi il est simple, dans un clock cycle, il finit exécuté. Par contre, 6 sur instructions, instruction format, il est complexe. Et là, il est complexe, il vise plusieurs clock cycles pour exécuter. Et risque, comment on dit, de dire, il optimise performance, c'est-à-dire exécuter rapidement. Ok, tandis que 6, il vise plusieurs clock cycles pour exécuter. Bon.
là nous guette côté mémoire, ok, d'un risque nous besoin libre mémoire, d'un 6 nous besoin less memory, ok, d'un risque les hardwired, d'un 6 les pas nécessairement hardwired, mais dire coder le microprocesseur. Correct? Ne peut pas programmer. Voilà. Risk, comment on dit, reduce instruction, il y a fewer instruction. Tandis que dans 6, il y a une grande variété d'instructions. Beaucoup de variété d'instructions. Ok? Ici, il y a moins de variété d'instructions dans risk. Dans 6, il y a une grande variété d'instructions. Et dans 6, il n'y a plus beaucoup d'addressing mode. Et dans RIS, il y en a moins d'addressing mode. Correct? Voilà, nous avons un coup. Dans RIS, il y en a beaucoup de registers. Dans 6, il y en a moins de registers. Ok? Et dans RIS, plus facile de contrôler le pipelining. Dans 6, il est difficile de contrôler le pipelining. Ok? Execution, il est fast dans RIS. Execution, il prend plus beaucoup de temps. Dans 6. Voilà. Maintenant, il y a plusieurs qui utilisent, mais pas pour dire tout là. Ils ont guetté l'exemple des RIS Subban Architecture et 6 Subban Architecture dans l'exemple. Là. Maintenant, voilà, nous donne un petit diagramme encore. RIS. Il est simple, 6, il est complexe. Il n'y a plus beaucoup d'étapes pour faire un travail. Maintenant, nous continuons à guetter. Ça, c'est un LUT NUTS, pas un LUT OTR. Je veux dire, RIS, nous réguetons, là, nous résumons un petit peu, partout, l'idée qui nous veut prendre en considération. RIS, il y en a, qui veut dire RIS, il y en a fewer instruction set. Instruction, quand c'est instruction, dans RIS, est tigine. Mais dans 6, nous avons une large variety of instruction. Nous avons beaucoup de variété dans 6. Mais c'est mort, nous passons avec tout. À la fois. Et RIS sur instruction, il est simple. Et 6 sur instruction, il est complexe. Voilà, je ne fais que dire. Smaller number of instructions. Ouais, ce instruction format, il coûte. Ce instruction format, il varie. Il risque, dans un cycle, il exécute une instruction. 6, il y a multiple cycles pour exécuter. Risque, fixed length, chip-chi. 6, variable length, ce length varie. Et, ouais, voilà. Il store one instruction dans mémoire pour risque. Et dans 6, instruction address mini instruction les besoin garder dans une mémoire. Fewer addressing mode, more addressing mode. Voilà. Multiple instruction register, il y a beaucoup de registers. Là il y en a specialized registers et fewer registers. The hardwired microprogram, ok, microprogram unit. The pipelining est facile ici, pipelining est difficile là-bas. Bon, voilà, ben, l'idée, là. Maintenant, il fait une comparaison RIS 6. Bon, il y a encore un livre, il y a ma notes là-dedans de targeter. Pareil, même affaire, il vous dit à toi. 6. Il y en a limited registers. RIS, il y en a beaucoup registers. 6. Il prend plusieurs clock cycles. RIS, il fait one clock cycle. 6. So, instruction format variable length. RIS, fixed length. Et 6, il y en a beaucoup d'instructions, la liste variété d'instructions, et ici, sur instruction, il reduce tigging variety. Ok? Et 6, il servit moins de mémoire, il servit cache mémoire plus, et RIS, il servit plus beaucoup RAM. Voilà un petit peu, nous guette bien, il y a le table de contrôle. 6 architecture, 6 architecture, il nous donne l'exemple, disons un processeur 486, 586, Pentium N, Pentium D, Pentium 3, Pentium 4, etc. Core i3, Core i5, Core i7, c'est ben l'exemple des 6 architectures. Bon, RIS architecture, comment on dit, de ma tablette portable, et voilà l'exemple des qui compagnie fait ça. 6 fait par Intel, RIS fait par Sun Company. Voilà. Number of instructions, tu trouves 6, il y a une grande variété d'instructions. Et 6, il y a moins variété d'instructions. Instruction se size, RIS 6, so instruction se size, il varie, il y a 1 à 11. Et RIS, so instruction size, seulement 4.
les fixes. Addressing mode, il y a 10, il y a 6, il y a plus beaucoup addressing mode, 6, il y a moins addressing mode. Et registers, il y a 6, il y a tigin registers, et il y a 10, il y a plus beaucoup registers. Bon, voilà un petit peu 10 avec 6. Maintenant, nous pourrons regarder une question l'examen concernant 10 avec 6, comment ce outil, pour vous gagner l'idée, qui vous a répondu dans le papier d'examen. Ok? Bon, tout à l'heure, nous venons de pipelining, nous scroll back, nous scroll, tout à l'heure, nous venons de pipelining, on prend un chapitre par un chapitre. Ok? Là, nous avons une question l'examen pour vous comprendre 10 avec 6 plus bien. Mais là, nous pouvons faire le parti. Bon, nous faisons une théorie. Maintenant, nous pouvons appliquer dans la question l'examen comment les sortir. Correct? Allez, dans l'en bas, J'espère que tout le comprendre. Si on comprend RIS 6, maintenant, nous pouvons faire question l'examen. Bon, question l'examen, il est capable de describe the difference between RIS and 6 architecture. Il est capable de demander un pipelining, tu as l'air de voir le guetté. Ok. Interrupt, tu as l'air de voir le guetté. Et voilà. Bon, four features within RIS and 6. Voilà, nous avons une question d'examen. Maintenant, première question d'examen qui se peut essayer pour moi si vous êtes dans votre bouclet. Et moi, j'espère que vous participez, vous pouvez attendre des élèves causer avec moi. Bon, ça n'a une finité, ça, non? RIS 6 n'a une finité. Et nous, je vais guetter le papier d'examen, écoutez, nous, finir. Ça n'a une finité, hein? Ok, vous commencez, là, nous, scrolling remote là-haut. On regarde le papier d'examen. Et si vous êtes dans votre bouclet, vous ouvrez votre bouclet. Et nous vous discutons ça, nous vérifions ça pour les élèves qui si pas là, ben là capable de suivre classe là après. Il y a une dizaine d'élèves qui peuvent suivre, pas mal. Un rendez-vous là, mon pensée nous continuer. Si tantôt mon café de classe aux autres, nous pouvons être autres. Mais nous avons une question d'examen là, hein, bande d'enfants. Allez là, allez noter. Novembre 2018, papier 32, question 5. Là, je besoin comment ça travaille là. Hein? Allez, un des élèves si qui a ouvert un micro, il ouvre son micro, il dit on. Vous l'avez causé à moi, mais pas sentiment touché. Parce qu'ils m'ont fini, deliver notes. Now, we discuss exam papers. Allez. Si on a pas ouvert ce micro, les gars, causé à moi, ça n'a pas touché, les blank, ou il dit pas intéressant faire classe. Ok, vous trouvez une dizaine d'élèves qui sont online, pour penser de suivre. Allez. On fait révision. Quand vous avez qui déjà connu le chapitre, il est facile pour lui. Novembre 2018, papier 32, question 5. Most desktop laptop uses the SIS architecture. Qui veut dire SIS? Architecture veut dire complex instruction set computing. Et ben, smartphone, tablets uses a RIS architecture. RIS veut dire reduced instruction set computing. State four features that are different in the RIS and SIS. C'est-à-dire qu'ils sont des examens d'enfants, je ne sais pas si ça code tout. Je ne sais pas au moins quatre différences entre RIS avec SIS. D'accord? Vous allez venir noter qu'il en a une idée? Réponds-moi, s'il vous plaît. Allez, un enfant, réponds-moi au moins. Vous avez noté l'année? Personne ne va répondre. Allez, un enfant, réponds. Allez, notez. Bon, on va continuer. Allez, Nilif. Nous, qui un coup de Cambridge King de nous même. Maintenant, j'ai besoin d'étudier ça. Je vais tout de mettre ça en termes de table. Et ça, Cambridge se répond. C'est-à-dire, là, on prend en général différents lotés, différents livres. Maintenant, nous, qui Cambridge se répond, et j'ai besoin de noter. Okay. Aïe, ah, pas de diamant réel là-haut, là. Fais-le bien là-haut. Ok, une réel en bas. Nous guettons un coup de, pour espérer tous les enfants pour noter là. RIS architecture avec SIS architecture. J'allais un peu plus vite parce qu'il est temps pour aller. Il y a encore le travail. J'allais un peu plus discuter parallèle. Vous comprenez qu'il fait une remote là-haut. Ok, voilà. Allez, réponse. RIS, enfants, comme on dit, ils trouvent dans portable, de tablette, etc., dans un game console. Fait dire, il y en a fewer instructions. Qui veut dire fewer instructions? Variété. Variété. La liste des instructions qui trouve dans RIS architecture qui servit. Il y a un tigine même variété. Mais, sa tigine variété, la liste, instructions qui nous a là, nous servit tout. Mais dans 6, il y en a beaucoup variété d'instructions. Multiply, subtract, divide, il y en a beaucoup. Mais pas tout qui nous servit chaque fois. Ok? Bien, ce qui nous servit. Je veux dire, RIS Fewer Instruction List. C'est le cas appelé Fewer Instruction List. Et 6, il y en a Many More Instruction List. C'est la liste des instructions, variété instructions, il y en a beaucoup. Celle-là, il y en a ce qui nous servit. Bon, c'est le temps pour finir, nous pour réupgrader, nous pour réveiller. Correct?
Maintenant, nous continuons. Résisteuse. Dans RIS, il y en a beaucoup résisteuse. Dans SIS, nous, il y en a bien tigin résisteuse. Et je ne connais pas de résisteuse. Hein. C'est, on appelle ça General Purpose Resisteuse. Dans SIS, nous, il y en a Programme Counter, Memory Address Register, Memory Data Register, CIO, etc. Bon, dans RIS, ce ban instruction, il y en a few instructions. Et ça ban instruction, elle est simple. And still, ban instruction, elle est simple. Il n'est pas complexe. Et il est coûte. Tandis que dans 6, ben, l'instruction là, dit complexe. Et dans RIS, instruction, few instruction format. Et dans 6, many instruction format. Et une variété instruction format. So, instruction format, il varie, selon longueur varie. Dans RIS, dans N clock cycle, il finit faire instruction. Dans 6, il besoin plusieurs clock cycle pour faire une instruction. Voilà comment nous disons. RIS, ce instruction, il fixe, encore 4 bytes. Dans 6, nous disons, ce instruction, length, il varie, il y a 1 à 12 bytes. Et RIS, ce pipelining, facile faire. Dans 6, pipelining, difficile faire. RIS, ce circuit, il est less complexe. Dans 6, ce circuit, il est complexe. RIS, il y en a fewer addressing modes. Dans 6, il y en a more addressing modes. RIS, servi plus beaucoup RAM. 6 servi moins RAM parce qu'il servi cache memory. RIS ni hardwired. Il dit que c'est un circuit là, soudé, le board. Dans 6, pas nécessaire tout le monde circuit faire là-dedans. Il est capable sans ce programme. Le programme n'est qu'à contrôler. RIS, users load and store instruction, to address the memory. 6 has many types of instruction to address the memory. Voilà un petit peu RIS avec 6 d'après Cambridge, ce qui est au besoin qu'on ait comparaison. Maintenant, j'ai besoin de répondre moi correct, mon carabouze devant. Sinon, mon greffe aller. Allez, carabouze. Maintenant, t'as l'air entièrement, mon père explique pipelining. Sa question là, sa partie là, t'as l'air mon couvert pipelining, mon père explique, t'as l'air entièrement. Mais vous avez encore question là, qui va l'année sur l'outil de RIS 6, mon père scroll. Et nous pouvons continuer. Le pipelining, t'as l'air, mon pouvini. Parallèle architecture, t'as l'air, mon pouvini. Mon pouvini scroll, mon pouvini retourne toute une question, le RIS avec 6 avant. Correct? Voilà. Mon pensée, RIS 6, vous avez mémorisé. Vous avez travaillé. Il n'est pas difficile. Une cause de là. Tous enfants, ils viennent comprendre. Voilà. Maintenant, deuxième. Nous avons ça là. Milis. Novembre 2017, papier 32. Question 2. Voilà. Là, ici, il y a un matching pour eux. D'accord? Allez, on récit noté. Novembre 2017, papier 32, in a matching. D'accord? Nous pouvons faire matching. Correct? Si vous avez une boucle, vous avez ouvert li, vous avez lié li, et nous avons ça matching. Là. Qui veut dire RIS avec qui veut dire 6? Allez, c'est li. Fais un screenshot. C'est li, les enfants. Ok? Bon, les zones, c'est li. Voilà, réponse dit là. Si nous cas zoom li, non, ça va, vous pensez de caragété. Bon, premier, it has a simplified set of instructions. Qui s'appelle un simplified set of instructions? C'est RIS. Emphasis is on the hardware rather than the software. C'est-à-dire, emphasis, l'énumérer le hardware rather than software, c'est 6. D'accord? Et it makes extensive use of general purpose register. Veut dire, il servit registers beaucoup. Beaucoup registers, il servit. Tandis que dans 6, nous avons tigin registers. Dans RIS, nous avons beaucoup registers. Many instruction formats available. Nous disons, il y a 6, il y a beaucoup instruction formats. Il est capable n à 12 bytes. Tandis que dans RIS, il y a un fixed instruction format. Il est 4 bytes. Maintenant, nous continuons. Nous pouvons être encore question le RIS 6 pipelining. T'as l'air de vous venir. Trop vite là, non? Allez, l'autre question est une sortie. Allez, notre lit. J'ai besoin de causer seulement pour me connaître mon bras de bon ça, non? Novembre 2015, papier 31 et 32. Nous pouvons causer RIS 6. Allez, je dis à moi si moi le devant. Soit faire un screenshot, je vais draw lines, matching. Et si cette session-là est terminée, je vous lance un autre sens. Allez, je vais cette question-là toujours, lire. Et moi, ce qui m'a fait, je vais upgrade mon
Ça toujours, on capable pas briller. Parce qu'il pourrait une autre session là entièrement. On met les 10 à 30. Toujours, on met les 10 à 35, je pense. On peut commencer une autre session. On met les 10 à 30. Le tir password. Et on upgrade. Je veux dire, si jamais la session est terminée, on peut upgrade. Allez, il y a des enfants qui peuvent suivre. Il y a une dizaine d'enfants online là, qui peuvent suivre. Ce qui est venu, il est là pour suivre. Et nous pouvons faire révision. Si vous déjà connaissez, pas grave, on va réviser. Allez, les objets répondent-moi. Moi, le devant, ou ça correct? Moi, le devant, ou ça m'a arrêté? Allez, car le devant. J'ai une question là. Là, nous pouvons faire Martin Loris avec 6. Et allez à nous pour guetter question habitée sur outil and matching, là, il pose question le pipelining. T'allez à nous pour guetter pipeline. Voilà, matching. Bon, comment se trouver? Makes inextensive use of general purpose registers. Veut dire, RIS servit beaucoup general purpose registers. Many addressing modes, c'est 6. Has simplified instruction set, c'est RIS. D'accord, aux enfants? Right, nous guettons encore question. Vocal devant, il est. Allez, right. Aide-moi, parce que si tu réponds, tu peux aider-moi. Allez, right, nous continuons à, juin 2019, papier 30. D'accord? Là, fait un screenshot. Et c'est godly, nous pouvons être sur ça. Mais en même temps, on fait une vidéo pour vous aider, ben, c'est l'écart suivre. Allez, nous continuons. RIS avec 6. Correct, bon enfant? Vous pensez à ce qu'il est un peu plus facile pour mémoriser. Parce qu'il y a ce travail papier d'examen pratique, il devient facile. Allez, fais un screenshot, il y a une question là, et nous discutons là. Correct? Dans notre, nous les affaires, mais là, nous attaquons le papier d'examen, je peux guider le papier d'examen, comment on fait ça aussi. Le papier d'examen, le matching, soit médiantique. Ok? Voilà la réponse. Large instruction set. Bon, je vais dire, large instruction set, c'est 6. 6, c'est un large instruction set. Beaucoup de variétés d'instructions. Et, ce longueur, ma instruction longueur, elle est variée. Correct? Mais tu guettes, c'est 6. Et small number of instruction format, c'est RIS. Pipelining easier, c'est RIS. Program control unit, le cas programme, lui. Et c'est 6. Et normalement, RIS, les hardwired. Multiple cycle, c'est 6. Allez. Je laisse mon carré devant. Allez, right. Correct, ben, c'est une note. Maintenant, le guet en cours, si ça mène en cours question, sinon, c'est pénal. Je pourrais tourner avec pas pipelining. Bon. RIS 6, moi, pensez, il y a assez, tout enfin, il comprend. Maintenant, est-ce qu'il n'est capable de retourner le syllabus, de pour faire pipelining? Là, nous faisons une question, le pipelining. Correct? Okay. Répondre à part ni les scènes de débat des élèves, répondre pour me connaître sur online, parce que sinon pas, ils viennent boring. Il y a 11 élèves online, pas mal. Les élèves viennent lever, ils peuvent suivre. Un des, oui, un des élèves causés pour me connaître. Avec Sanazan. Allez, pas connaître Sanazan, il répond. Allez, oui, Jandou. On a trop vite. RIS6 correct. Allez, right. C'est correct, dis-moi, donne-moi un feedback si c'est une question, dis-moi. Maintenant, à part RIS6, nous vous prend parallèle, pipelining. Pipelining, vous l'avez dit, un pipe, un tuyau. Allez, nous allons un coup de mon point, maintenant, l'exemple, explique-je ça, nous allons essayer de comprendre. Ok, pipelining. Correct? Voilà. Nous commençons pipelining. Ok? Deuxième partie, de ce chapitre-là, c'est le terme qui nous a attaqué, pipelining. Bon, là-dedans, qui fait un étudier pipelining, les enfants, veut dire même hardware, même architecture, mais ISO management sans eux. Façon qui nous gère sans eux. Veut dire même, faites-moi détenir une usine, et ben, du monde peut travailler. Même quand c'est du monde peut travailler, même l'usine, même quand c'est des machines, il y en a dans l'usine là, ZIS manager sans eux. Mais si un bon manager qui le fait, il contrôle le travail plus vite, les contrôles travaillent plus bien, les manettes se travaillent plus bien. Si les manettes se travaillent plus bien, qui peut arriver production pour augmenter. D'accord? Les pipelining, nous pouvons guider une technique, hein, que nous peut servir même ressources, même hardware. Voilà.
Dis correct à nous, mais comprends. Allez. Ok, nous tirons l'écran là, nous continuons. Allô, allô. On ces micros-là, bon là. Ok. Ok. Allez, tous les enfants sont arrivés là. Sinon, nos enfants vont penser de rentrer vite vite. Nous allons continuer, nous avons encore le bon travail. Ok, nous ne causons pas le planning, nous ne causons parallèle processeur, nous avons un tas de travail. Allez, vous êtes arrivés là. 7. Et en train de rentrer, pas le planning. Je veux dire, qui fait, nous veut dire, pas le planning, c'est une technique. Ok. Avec même ressources, même hardware, même CPU, même RAM, même architecture, mais c'est moi qui vais better manage it, management better, il peut y avoir des benefits, ok, il peut y avoir des benefits des pipelining, qui bénéficie là, correct, et là moi je donne un exemple, fait que moi je donne une usine, et même quand c'était du monde de travail, même quand c'était machine là, mais un manager qui contrôle ce travail bien, il manage ce travail bien, veut dire planifier ce travail bien, s'il planifie ce travail bien, plus beaucoup de travail pour faire, production pour augmenter. Et nous parlons de bénéfices des pipelines, et nous parlons de qui fait pipelines, et nous parlons de pas marcher. Ben, drawbacks des pipelines. Talent, j'aimerais nous parler de. Maintenant, nous prenons l'exemple. Ok? Bon. Dans ça, l'exemple, là, tu peux trouver, ben, l'auto peut venir. Fait que moi, j'ai dans la gare, il y a un bis, soit ben, l'auto peut rouler. Si pas servi pipelining, un l'auto roulé, fait que moi, j'ai un l'auto sorti Goodlands, et tant pis, pas arrivé pour lui, l'auto pas l'orgue. Mais, ben, n'a pas fait servir chemin bien. Parce que, le taux, faut des sorties là, faut des arrivées pour lui, pour l'autre, le taux, vivre. D'accord? Mais, il n'a pas fait manage, il n'a pas fait servir ressources bien, il n'a pas fait servir chemin bien. Mais, l'autre, c'est le dévore qui diffère. Chaque 10 minutes, il log, le taux, soit un bis, il peut loguer. Mais, si chaque 10 minutes, il peut loguer un bis, il y a le chemin, plusieurs bis peut aller. Tandis que, sans pipelining, un seul bis peut aller. Tant que sa bis là, arrive sur destination, il n'est pas pour loguer un autre bis. C'est un, appelle ça Von Neumann. Von Neumann, c'est une architecture qui fait une qui chose à la fois. Il faut dire une qui chose finie. Les lèvres, vous pouvez faire une lutte. Oui ou miss? Oui. Allô? Oui. Vas-y. Moi, je vais bloquer la calme. 11h30, pareil. Ok. Allez, merci. Bon, veut dire, nous peut évoluer depuis Von Neumann. Von Neumann, il fait une chose à la fois. Ok? Et nous évoluer depuis Von Neumann, nous avons une autre architecture, une autre façon de travailler, plus bon que Von Neumann, nous avons des pipelines. Maintenant, quittez sa photo là, bien. Ok? Nous pouvons quitter une photo, nous pouvons étudier sa photo là. Ici, nous pouvons ranger le tout. Nous pouvons servir, faire comment dire, nous pouvons servir sans pipeline. Et l'autre côté, nous pouvons servir pipeline. Si nous pas servi par le planning, nous enfants, faites ma dernière opérance, le tout, nous prend 24 heures de temps pour faire un le tout. Nous fabriquons le tout, nous mettons le chemin. Ré nous faire 24 heures de temps et déjeuner le tout. Ré nous faire 24 heures de temps et l'autre le tout. Je veux dire, nous faisons le tout tant que nous pas terminons la fabrication le tout, nous pas mettons le chemin. Nous pas get fabrication et déjeuner le tout. Je veux dire, un le tout terminé, là nous prend déjeuner le tout. Nous commençons à fabriquer, là nous mettons le chemin. Déjeuner le tout terminé, nous prenons troisième le tout, nous fabriquons, nous mettons le chemin. Et pareil, un par un, nous faisons le tout là. Mais c'est ça que le tout, il prend nous 24 heures de temps pour faire. Et sans ne servir pas de la nous. Maintenant, si l'industrie est intelligente, il peut split sa travail faire le tout là en quatre parties. Si il split ça, c'est un peu servir par la nous, hein. Mais dire, nous break le job into smaller stages. Mais dire, faire le tout, nous casser en quatre parties de travail. Mais dire, une partie du monde. Ben, groupe A, disons, une partie du monde, pour travailler groupe A, je vais faire engine. Deuxième partie du monde, mettons, je vais faire body of the car. Et troisième partie du monde, partie C, groupe C, je vais faire paint, la peinture. Et là, l'auto là, vient. Veut dire, premier l'auto vient. Premier groupe A peut travailler le engine.
D'accord? Et Astir, les A, groupe A, peut travailler le deuxième le tout. Groupe A peut travailler le deuxième le tout. Mais deuxième, premier le tout là, groupe B peut travailler, mais on peut faire body. Maintenant, les groupes A peut travailler le troisième le tout. Groupe B peut travailler, peut faire la peinture. Non, groupe B peut travailler, attendez, c'est-à-dire les groupes A peut travailler le engine, groupe B peut travailler le body, et groupe C peut travailler le paint. C'est-à-dire, les nous split the work, nous cassons ce travail-là en trois travails. Trois timos au travail, nous capables de diviser ce travail-là et donner trois l'équipe de travail. Et finalement, qui peut arriver, de place nos fabriques en le tout dans 24 heures temps, dans 8 heures temps, ça coûte en le tout pour ce outil avec sa nouveau technique-là. C'est-à-dire, 24 heures temps, nous, tu peux prendre pour faire en le tout. Maintenant, là, nous split-li, nous cassons ce travail et faire le tout-là en trois morceaux. C'est-à-dire, 24 divisé par 3. C'est-à-dire, 8 heures temps, chaque 8 heures temps, en le tout pour sortir dans sa lisine. C'est-à-dire, si une lisine ne peut servir pipelining, chaque 8 heures temps, en le tout sortir. Et si une lisine pas peut servir pipelining, après chaque 24 heures temps, en le tout pour sortir. C'est-à-dire, si je trouve bien, pipelining, c'est une technique que nous pour augmenter productivité, nous pour augmenter throughput, output, nous pour augmenter production. J'espère que vous comprenez. Maintenant, nous guettons en détail, voilà, on explique comme ça. C'est-à-dire, pipelining, nous break the job into smaller stages. C'est-à-dire, nous cassons à faire le tout là, en trois morceaux. Disons, part A, part B, part C. Et là, nous cassons les, et dans certaines du monde, on peut travailler le part A, dans du monde, on peut travailler le part B, body, et troisième du monde, dans le groupe du monde, on peut travailler le part B. Et là, nous, pour faire le tout, tu peux prendre 24 et temps, là, nous prenons 24, nous divisons en 3, nous faire 8 et un temps pour chaque 8 et un temps, un loto pour ce outil avec sa technique là. Et ça même, il y a une technique, il y a comment dire, en parallèle de travail. Mais c'est moi, sa technique là, on appelle le pipelining, qui fait pipelining, quoi, d'un tuyau. Un tuyau veut dire, ça, un travail là, ne pas affecter le travail. Comment dire, chaque travail peut rouler dans trois tuyaux différents. Par contre, ça, il y a un mot pipeline. Pipeline, comment dire, divise ce travail là en trois différents tuyaux. Et chaque travail pas affecter son camarade. Et dans place 24 et temps, la lésina pour fabriquer un loto, dans chaque 8 et temps, un loto peut sortir avec pipeline. Veut dire production est augmentée par 3 fois X. 3 fois X veut dire production peut augmenter et les plus efficient. D'après sa planification. Bon, j'espère que les enfants ils comprennent ce que veut dire pipelining. Pipelining, c'est une technique que nous split. Nous break the job into smaller stages, et sa total time qui tu prends là, nous divise les par combien stage nous peut casser. Et production pour augmenter par combien stage vous êtes. T'as l'air de nous poser question l'exemple. Maintenant, l'air nous applique sa même l'idée là, d'un côté computer. Ok? Ça, nous a des photos là. Elle là, pas peut servir pipeline, elle là peut servir pipeline. Elle nous pas servir pipeline, mes enfants, instruction l'air venu. Qui est un computer? Il fait fetch, decode, execute. Et là, il finit fetch, decode, execute, veut dire, il prend une instruction, il amène, il décode et il exécute. Là, une instruction finie, là, là, il prend deuxième instruction. Deuxième instruction, il fait fetch, decode, execute. Et la deuxième instruction finie, il prend une troisième instruction. Il fait fetch, decode, execute. Ça, c'est sans pipelining. Ça même, on appelle ça Von Neumann Architecture. Von Neumann Architecture, c'est avant pipelining, c'est introduit. Faut lui faire une instruction à la fois. Faut des une instruction finie complétée. Il finit faire ce fetch, decode, execute. Léa là, il prend une autre instruction. Maintenant, là, nous guette pipelining maintenant dans sa autre photo à côté là. Léa, nous casse sa instruction là en, là, nous casse sa job là, fetch, decode, execute. Nous casse lui en trois morceaux. Là, nous casse lui en trois morceaux. Veut dire, nous casse lui en fetch, decode, execute. Là, nous casse nos instructions en fetch, decode, execute. Nous, dans un cycle, nous allons casser nos instructions dans fetch, decode, execute, enfants. Là, nous allons casser nos instructions. Veut dire, la première instruction, là, elle va faire fetch. Correct. Après ça, qui pourra arriver l'autre cycle. Sa première instruction là, il pourra aller dans decode. Correct. Première instruction, elle va aller code, nous sommes capables de prendre une deuxième instruction. Et là, nous finissons la deuxième instruction. La deuxième instruction, la première instruction, elle peut décoder, qui peut arriver, et là, nous reprenons les premiers cycles.
première instruction li da fetch. Then fait deuxième cycle, première instruction l'infini fait sur fetch, il peut faire sur decode, d'accord? Et deuxième instruction il peut aller fetch. Et là il peut faire troisième cycle, première instruction peut exécuter, deuxième instruction peut décoder et troisième instruction peut fetch, d'accord? On reprend les bonnes enfants qui parlent comprendre. Premier cycle, première instruction peut fetch. Deuxième clock cycle, première instruction il peut décoder. Deuxième instruction peut fetch. Troisième cycle, première instruction peut exécuter. Deuxième instruction peut décoder. Et troisième instruction peut fetch. Veux dire aux enfants, si les types prend, mettons les types prend, comment dire, disons, il prend 3 secondes pour faire n instructions. Ici, il peut prendre n secondes pour faire n instructions. C'est-à-dire, il peut diviser sur les temps par 3. Il peut plus efficient. Parce qu'il nous divise par 3 morceaux. C'est-à-dire, il peut efficient 3 fois plus efficient. C'est-à-dire, si ici, il prend 3 secondes pour faire une instruction, ici, n secondes pour faire une instruction complétée. Maintenant, nous guettons ça. Même affaire, nous peut expliquer. Si ne pas faire pipelining, nous pouvons faire fetch, decode, execute. Faut dire un fetch, decode, execute terminé pour nous faire un autre fetch, decode, execute. Ça, c'est sans pipelining. Maintenant, avec pipelining qui nous fait, une instruction nous casse en 3 sections. C'est-à-dire A, B, C. A veut dire fetch, decode, execute. Mais, les premières instructions peut décoder, nous sommes capables de fetch une autre instruction. Et le cycle, nous peut exécuter première instruction, deuxième instruction peut décoder et troisième instruction peut fetch. Et nous divise nous les temps pour faire avant nous les temps, disons combien les temps. Donc tu prends n secondes pour faire une instruction, là il faut n divisé par 3 secondes pour faire une instruction. C'est-à-dire il fait 3 fois plus efficient dans ce cas-là parce qu'il nous casse en 3 jobs. Ça c'était pipelining. Maintenant là, tu peux trouver en haut un diagramme. Code les pièces plus toi, ben, instruction. Instruction N, le premier cycle, le premier clock cycle, il doit fetch. La deuxième instruction, première instruction, il pouvait venir decode. Et deuxième instruction rentrée. Et après ça, qui peut arriver, première instruction, il vient exécute. Deuxième instruction, il doit decode. Et troisième instruction, il vient fetch. Et ça continue comme ça. Mais la première instruction, il termine. Deuxième instruction, il vient décoder. Et, non, il vient exécuter. Et troisième instruction, il vient décoder. Et quatrième instruction rentrée. Et, tu trouves, première instruction, infinie terminée là. La deuxième instruction, il y a le terminé là. Et troisième instruction, il y a le terminé ici. Et quatrième instruction, il est rentré et il est terminé comme ça. Get en diagonal. Si je vais comprendre. Maintenant, pipelining, dans le get sur une théorie, qui veut dire pipelining? Veut dire pipelining, c'est une technique que nous split. C'est même appelé ça decomposing. Split veut dire decompose, nous casse-li. C'est-à-dire un sequential process, un process qui peut arriver dans l'autre, sequential veut dire dans l'autre, un après l'autre, tu peux casser en un sub-process. Et chaque sub-process est capable d'exécuter dans un dedicated segment, concurrently. Tu as l'impression qu'il peut exécuter en parallèle. À cause de ça, il y a un pipelining. Maintenant, qui fait qui ben bénéfice des pipelining, même architecture qui vaut Newman China, c'est-à-dire même ressources, même hardware, même RAM, même processeur, mais performance peut augmenter. Qui fait performance peut augmenter parce qu'il ne peut manager plus bien, parce qu'il nous split sa job-là en un sub-task, et sa sub-task-là est capable de run comme si en parallèle. Et le pipelining, c'est une technique comme un nouveau processeur servi pour improve performance. Improve performance veut dire improve output. Output, c'est un appel à throughput. Throughput. Media pipelining, c'est une façon pour organiser le travail, pour le travail à faire plus rapidement. Mais pipelining, il y a un désavantage. Qui désavantage arrive, c'est si une instruction, une autre instruction bizarre, une instruction dépend de son camarade, il n'est pas sequential. Il n'est pas, comment dire, il n'y a pas besoin de terminer N pour faire l'autre. N là dépend de son camarade pour continuer. Et là, pipelining pas capable d'adresser ce problème-là, pas capable de faire living par pipelining. Pipelining n'est pas résoudre ce problème-là. Pipelining n'est pas faire living more efficient.
D'accord? Le pipe planning, pas qu'à servir dans toutes circonstances. Pipe planning, il y a un désavantage, comme on le mentionne. OK? Maintenant, nous pourrons avoir des questions d'examen concernant pipe planning. OK? Allez, si vous avez une question avant de m'aider dans le past papers concernant pipe planning. Allez, répondez-moi s'il vous plaît. Allez, nous avons des papiers d'examen même. Correct, mais moi, tu peux aller encore le banc élève répondre. Ok, nous avons le papier d'examen. Ok, voilà, nous avons le papier d'examen. Qui bande l'année sur l'outil? Nous avons un coup. Novembre 2018, papier 32, question 5, mon copain B. Allez, je t'une prends l'année là. Novembre 2018, papier 32, question 5, mon copain B, il y a une question de pipeline. Correct? Allez, mon cas continue. Voilà. Ouais, très bien, répondre, rendre un service. Allez. Novembre 2018, qui nous dit, novembre 2018, papier 32, question 5, ou quoi? Allez. Nous lis, allez. Nous pétons un coup. Allez. Nous pétons RIS Architecture, Reduce Instruction Computing. Voilà. Nous avons quatre instructions. Quatre instructions appelées A, B, C avec D. Et nous pétons servir par planning. Et l'une casse-li en cinq étapes. L'une casse-li en cinq étapes. Il y a un droit. Il fait fetch, il fait decode, fetching instruction, FI, decode instruction, DI, execute instruction, EI, et access operand et write the result. Il casse les en 5 sub-tasks. Est-ce qu'ils en font comment? Là, moi, je casse les en 3 sub-tasks. L'île, il a envie de casse les en 5 sub-tasks. Il gagne droit. Maintenant, question là, dis à toi, comme ça. Write the instruction A, B, C, D in the correct time interval. Ça, c'est time interval. Première seconde, deuxième seconde, troisième seconde. Et dans ce time interval-là, tu as pour mettre ça dans l'instruction-là, quand il peut rentrer et qui peut arriver. OK? Allez, je te sais, et moi aussi, je vous donne une autre réponse. Mais, service de mémoire, une seconde. Essayez sa question-là. Bon, voilà. Je vous donne une réponse pour ne pas trop y dire. Premier time, instruction A, une rentrée. Instruction A de qui est à pied, de fetch. Allez, deuxième seconde. Deuxième time interval. Instruction A, il peut n'être plus dans. Fetch, que tu parles? Tu parles de decode. Et là, il parle de decode. Instruction B rentre dans fetch. D'accord? Il rentre pas de l'élite dans fetch. Maintenant, troisième seconde. Instruction A continue dans execute. Si instruction A est dans execute, instruction B, il peut changer, il parle de decode. Et instruction C pour gagner l'espace rentre dans fetch. Maintenant, quatrième seconde. A, il a access operand in the memory. Il a gagné accès avec mémoire. Et instruction B, il vient exécuter maintenant. Avant que l'ici était dans décode, il vient d'exécuter. Et instruction C, l'ici dans fetch, il vient dans décode. Et dans sa liste fetch, instruction D rentre ici. Maintenant, instruction A, dans cinquième seconde, il perd dans write to register, write result to register. Et là, B, il vient au plan, C, il vient d'exécuter, et D rentre dans décode. Et dans sixième seconde, A est terminé. Et dans septième seconde, B est terminé. Dans huitième seconde, D est terminé. Okay. Et neuvième seconde, tout est terminé. D'accord? Maintenant, ça, c'est facile pour faire tableau. Chaque étape par étape, ben, l'instruction là, ben, sens, et peut évoluer. Et l'autre peut évoluer, et une nouvelle instruction peut rentrer. Bon, je suis fini d'expliquer dans mon notes, mais pas fait l'examen sur l'outil. Maintenant, nous guettons l'autre partie question. Ok, si c'est pas mine. Voilà. When completed, the table imported show how many pipelinings allow instruction to be carried out. Ok, expliquez comment pipelining permet de l'instruction exécuter rapidement. Et each time interval represent one clock cycle. Et calculate how many clock cycles are saved by using pipelining. Correct? Show your working 3 points enfant. Maintenant, comment tu trouves combien pipes, combien cycle besoin pour compléter une instruction? Correct? Ok. How many cycles for pipelining? Il y en a 8. Et ça, combien d'instructions il y en a? 5 instructions. Non, il y en a 4 instructions. Ok, il y en a 4 instructions. Ok. Bon, avec pipelining, donc, on a un coup. Avec pipelining,
combien cycle une bizarre pour compléter tout avec pipeline. Regardez, tu commences un clock cycle et tu termines tout dans 8. Puis dire tout travail infini faire dans 8 clock cycle, tout travail infini faire. Mais dire si le service pipelining dans 8 secondes, tout travail infini faire. Maintenant, si nous partons service pipelining, une instruction, combien de secondes tu peux prendre? 5. Regardez, A sorti code N et divine code 5 pour les termine A. Dans une instruction, il prend 5 secondes. Mais si A tu peux finir, là, tu peux commencer à faire B. Là, tu peux faire C. Là, tu peux faire D. Bon, si A peut prendre 5 secondes, B peut prendre 5 secondes, C peut prendre 5 secondes, D peut prendre 5 secondes sans pipelining. Si parti dans pipelining, si A prend 5 secondes, B 5 secondes, C 5 secondes, D 5 secondes. Il y a 5 fois 4 fait 20 secondes. Puis il y a 100 pipelining, il peut servir 20 secondes. Et avec pipelining, il servit 6, 8 secondes. Mais il y a combien de secondes nous économiser? Voilà. Avec pipelining, nous servit 8 secondes pour compléter tout instruction. Sans pipelining, nous peux servir 20 secondes. Qui fait? Parce que il y a 4 instructions et chaque instruction, il y a 5 secondes. 4 fois 5 fait 20. 20 tiers 8, 12 secondes, nous économiser avec pipelining. Si vous avez une question, on va continuer. Mais dire nous économise 12 secondes grâce avec pipeline. Correct? Moi, quand on continue, demain, feedback. Allez, rate. Correct? Allez, nous continuons. Maintenant, nous guettons si nous avons encore question le pipelining. OK. Si nous avons encore question le pipelining, nous continuons. Avant. Ouais, là. Une question d'une posée ici, une question théorie. Explain what is meant by pipeline. Deux points en fait. Correct? Deux points. Explain what is meant by pipeline. Et en bas, il y a une autre question. Allez, now get a good Cambridge kid in India. What is meant by pipeline? Correct? L'India pipelining is instruction level parallelism. C'est-à-dire une façon de faire des choses, des instructions en parallèle. L'India nous exécute des instructions, nous split des instructions en sub stages. Et chaque bande sub-stages est capable de rouler en parallèle sans affecter l'autre instruction. C'est-à-dire, chaque bande stage est capable de rouler en parallèle sans affecter l'autre instruction, sub-stage, et les gars roulent en même temps, concurrently. Et avant pipelining, tu as un système qui s'appelle Von Neumann. Et Von Neumann, tu visais faire une instruction, il faut dire compléter tout ce stage pour faire l'autre instruction. Ça, c'était Von Neumann. Mais grâce avec pipelining, veut dire, nous split sa étape pour faire instruction là, en bande sub-stages, et chaque bande sub-stage qui roule en parallèle. Voilà ce réponse. Il y en a lui là-bas, tout le monde l'idée, comment ça vous a écrit à lui, vous pensez correct. Maintenant, nous guettons une autre question là. Là, l'idiateur comme ça, the following table shows five stages that occur when instructions are fetched. Bon, il y a cinq étapes comme t'es là, tu guettais. Et two instructions, D and E are followed, are fetched and executed. E in the incomplete table. Ok. Voilà. Il y a une étape, instruction, et une de nous, c'est un enseignement. Il y a une two instructions, D followed by E are fetched and executed. E in the incomplete table shows that the instruction E has been fetched at time interval to complete the row. Bon, il nous donne une place quand il est arrivé, il est à continuer. Correct? Bon, il y a une bonne réponse. Le E, il arrive, voilà, E, il arrive fetch. Il y a là l'autre seconde qui peut arriver. E pour aller dans troisième seconde, il peut aller dans read register. E, il peut évoluer, il peut aller comme ça. Mais avant E, tu as D. Mais il y a deux, il est avant lui. Il est là, et là, et là. Veut dire, deux, les compléter dans cinquième seconde. Eux, les compléter dans sixième seconde. On pensait les faciles. L'indicateur qui détient avant eux. Il y a deux, vous êtes complétés avant eux. Et là, après eux complétés. Il dit, parfois, il n'est pas de toi. Il est même parti là-dedans. Il est à compléter. Si tu as une notion comment dérouler les faciles pour faire. Maintenant, nous sommes encore question. On pensait correct là, hein. Car suivi. Correct là, ça vous dit? C'est une question. Oui,
correct. Allez, si correct, nous bouger, parce qu'il y en a beaucoup de choses à faire. Nous finissons sa boucle là. Correct. La ligne de nous, un programme qui a trois instructions. Voilà, deux, trois instructions. Explain. Voilà, sa boucle là intéressant. Quand tu dis là, explain why pipelining fails for the two instructions. Qui fait pipelining pas marcher là-dedans. Correct. Qui fait pipelining, qui se désavantage pipelining. Correct. Dans ce cas-là, la deuxième instruction là. Pipelining peut fail parce que the result of the first instruction is not stored in the register. Et before the next instruction needs to be loaded, et there is a data discrepancy issue. A register error is being fetched and stored in the same, on the same clock pulse. Bon, là, je vous ai dit ça un peu plus bien. Cette analyse-là, que je vais trouver, N, il n'y a pas besoin de complete N pour faire l'autre, il peut besoin de résultat des pilotes là. Et là, il y a une discrepancy, il n'y a pas in sequence. Et là, par planning, pas capable de servir dans sa cas là. Ok. Et je vais étudier lui, je vais get lui encore une fois. Et si j'ai un problème, je vais te carrément moi, question là-dedans. Ok, c'est un coup d'œil là-dedans. Maintenant, dernière partie, je vais dire que j'ai aussi besoin qu'un désavantage des pipelining. Et je vais étudier par l'instruction là, bien comprendre bien. Et qui fait pipelining, il n'y a pas un succès ici. Maintenant, l'autre partie. Ok. Et sa instruction là. Data instructions were produced by a compiler after translation of a high-level language. The compiler is not capable of code optimization. State how the code from the compiler would have been optimized to overcome the problem in part C. Comment est-il capable de régler ce problème là? La ligne data, the third instruction is not dependent on the first two. Therefore, instruction 2 and instruction 3 need to be swapped. Bon, ça, c'est son amour pensé. Moi, je vais inspirer en plus. Je vais étudier, je vais décliner, je vais étudier l'instruction là, qui peut dérouler là-bas. Et là, je pose ma question. Moi, je vais inspirer plus les temps là-dedans. Pour étudier sa instruction là. Ok, sa assembly language code là-là. Étudier-les, check-les, upcode au plan, et analyse-les, et nous retournons vers ça dans le prochain cours. Maintenant, nous continuons avec fetch du code execute. Là, nous avons un petit peu des avantages des pipelining qui dans le syllabus. Maintenant, ça, est-ce que ça nous finit là? Non? Ça, l'année là, nous prenons ça? Novembre 2015, papier 31? Non, pas encore fait? Fini ça? Ça nous fait un? Ok. Allez, pas encore. Prends l'année là. Si on parle trop vite, je dis à moi. Novembre 2015, papier 31. Question 4. Correct. Bon, là, je suis fini de question là. Voilà. Il y a un table. Et il y a un intervalle. Il y a un stages là. Il y a un time interval là. Et là, les pédiatoires, calculate how many clock cycles are saved by pipelining. Bon, combien clock cycle est saved par pipelining? Bon, là, tu travailles, tu remplis de table, et tu remplis de table, il y a trois instructions A, B et C. Voilà. Et avec pipelining, il peut complètement dans cette cycle. Sans pipelining, il y a trois instructions, et chaque instruction, il y a cinq étapes, 3 fois 5, ça fait 15 étapes. 15 secondes tu peux prendre pour faire aller et 15 tiers 7 faire 8 les gens les PC 8 clock cycle on pensait ça doit être capable de faire les facile correct les gens avec pipelining ils peuvent prendre 7 cycles sans pipelining il y a 3 instructions chaque instruction il y a 5 cycles 3 par 5 fait 15 15 tiers 8 15 tiers 7 fait 8 allez l'autre question ok ok, maintenant, nous finissons par planning, mais le temps peut rouler, nous plus qu'il y ait le temps, là où ça partit là. Et, les enfants, moi, je suis supposé prendre parallèle processing, mais moi, pensez, il y a le temps, il y a assez pour nous causer aux autres. Et, prochaine classe, on va prendre un compléter, on va vous autres messages de classroom. Mais là, ce qui m'occupe, les autres, on va pas faire parallèle parce que maintenant, le travail est occupé.
et pipelining et parallel processing et lila vous des deux de trois rendez-vous de cela lila et vous c'est une classe moi tu prévois pour compléter ça fera là mais vous parcours moi pour réciter en terminer mais I go through it et si t'es en tout pour libre moi pour faire une classe capable pour moi pour un message et pipelining en terminer pour pas trop fatiguer l'esprit parallèle processing moi pour courir ça la prochaine classe parallèle processing ok SISD SIMD MISD MIMD moi pour cause de là prochaine classe et moi pour cause de merci parallèle processing bon toujours moi donne une idée moi pour cause de flying classification voilà de zden coudé capable moi pour mettre tout ça de zden coudé là dedans prochaine classe moi pour cause single instruction single data single instruction multiple data single instruction non multiple instruction multiple data multiple instruction multiple data moi pour cause là et single instruction single data c'est when you want c'est un vecteur array processor c'est un pipeline computer c'est un multiprocessor pour cause de la prochaine classe voilà on peut go through the notes voilà single instruction single data single instruction multiple data et single multiple instruction multiple data et multiple instruction multiple data pour cause de la prochaine classe pour cause de parallèle processing voilà notre cela là ok en scrolling through it je vous dis un papier d'examen qui vous discuter de la prochaine classe voilà et papier d'examen dit beaucoup comme ça le multiple instruction des utensilités pour le temps préparer voilà ça ok ça papier d'examen vous discutez si c'est un screenshot de faire lui voilà vous discutez ça aussi voilà ça papier d'examen là vous discutez voilà parallèle processing vous discutez mais là on va pas gagner de temps pour lui. Voilà, parallèle processing en cours, nous mettons tout. Ici, c'est une fin posée. Voilà, non, ici, c'est en cours. Ouais, merci, parallèle processing, ça aussi, nous vous discutez, for basic architecture. Parallèle, merci, parallèle computer, nous vous posez. Et, prochaine classe, nous vous posez là-dedans, et nous continuons pour aller devant le syllabus. Maintenant, tiens, à 11 élèves online, pas mal. Et ce qui me vous fait, me voir arrêter vidéo là, et me vous